Bonsoir à tous et bienvenue sur ce stream. Oh, la photo, la vidéo est mal mise, c'est pas grave, je vais faire ça. Voilà, ça gêne pas. Comme vous avez pu voir sur Discord, Charwina ne live pas ce soir. Résultat, j'ai décidé de prendre sa place. Voilà. Bon, pas sur ce jeu, mais comme ça fait cette semaine. Deux soirées Starfield, donc ce soir et demain. Comme ça, on va pouvoir bien avancer sur l'histoire durant ces deux streams. Donc, on va continuer la partie. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait été. Alors, on a été chercher. Oui, c'est vrai, ça me revient. Tac tac tac. Donc là, il y a Sarah qui est ici. Il y en a là, c'est Barrett. C'est ça. On avait été récupérer, il me semble, Barrett et Heller. Et on a aussi été chercher Andrea, si je ne m'abuse. Ouais. Donc, là, pour continuer. Donc, pour continuer, il nous reste ces deux-là à faire pour pouvoir passer à l'étape suivante de l'histoire principale. Et ben, on va tout de suite commencer. Hein. Enfin, on va tout de suite continuer. Bon, bah, ça, on va aller là. Hein. Piazzi. C'est parti. On se fait flashbang, comme à chaque fois qu'on se tait pas, qu'on se... Pas qu'on se TP, mais presque. Ah oui, off. Et encore une 4 secondaire. Heureusement que je les compte pas. Tac. Donc là, on va aller ici. Au laboratoire abandonné. Laboratoire abandonné. Pourquoi un laboratoire abandonné pour chercher. Atterrissage engagé. Attention aux signaux. Si ils disent qu'il faut aller là, c'est qu'il y a une raison. Oh, il y a des bébêtes. Allez, on sort. Oh, tempête de sable. C'est chiant ça, les tempêtes de sable. Il y a même des bébêtes qui volent. C'est quoi ces. C'est des bébêtes, c'est quoi? C'est des. On croirait des. Bah dis donc. Qui s'y sont que ces bébêtes là? Pourquoi vous vous regroupez? C'est plus facile pour vous tirer. Et vous êtes quoi, vous? Coupeau. Sceptre. Tu m'étonnes, 75% étudié, j'en ai buté plein. Alors là, il y a ça aussi à étudier. Il y a. Ouais, du cuivre, c'est pas intéressant. C'est quoi ça?
Ok. Ça. Tac. Il y en a encore un là. Oh, il y a encore une autre trappe derrière. Yo, Sharwina, comment ça va? Bah, moi, ça va bien. Bon, toi, je pense que t'es fatigué. Si tu stream pas ce soir, c'est que ça va être pour ça. Mais bon, comme tu vois, hein, je prends ta place. Oui, je prends mes aises. Du palladium. Et ça, c'est du. C'était du nickel, je crois. Oui, j'ai eu un entretien très tôt ce matin. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Je peux comprendre. Donc je pense que tu vas pas non plus tétanisé sur le chat. Ou alors tu dormiras avant. C'est Barrette avec le laser qui passe. Mais c'est qui a le laser depuis tout à l'heure? Non, c'est Barrette. Bon, et sinon, tes recherches c'est pour l'apprentissage, ça? Qu'est-ce que ça donne, tes recherches, justement, d'entretien? Alternance, oui. Oui, comme t'as moins de 29 ans, c'est apprentissage encore. Bon, d'accord, à l'attaque, il était là-haut. Mais tu vas mourir! Je prends un mur. Ah. Ouais, j'ai vu rapidement ce que t'avais dit là sur le Discord, comme quoi le mec il te propose un poste super pour pas qu'on te dise bah non, mais c'est pas ça que vous allez faire. Franchement. Ça sert à quoi de présenter une Rolls Royce si c'est pour dire au final non, vous allez conduire en deux chevaux. Et arrête. C'est exactement ça, c'est hyper décevant et j'arrête pas de faire des ascenseurs émotionnels. Non, c'est sûr, c'est pas top top. Mais surtout, quel est l'intérêt de te présenter un poste super classe pour au final te dire tu feras rien de tout ça? Parce que encore, ce serait pour te présenter le métier de dev, machin, etc. Bon, pourquoi pas? Mais là, c'est tout simplement pour te dire, bah, voilà ce que tu rates. C'est complètement débile de faire ça.
Parce que hormis dégoûter les gens, je vois pas ce que ça a comme intérêt. Hein. Conversion, c'est la mort pour se faire entendre, alors que bon ingénieur, tu sais qu'on doit vite apprendre. Bah ouais. Bah c'est pour ça, je comprends pas. Et puis reconversion, oui, mais ça veut tout dire et rien dire en fait. Tu peux faire une reconversion et être autodidacte, avoir déjà codé etc. en autodidacte, et là tu veux juste en fait faire une formation afin de faire valoir tes compétences. Ça veut pas dire que t'es nul en fait une reconversion, c'est ça le truc. Et puis surtout là ça fera déjà un an que tu suis des cours. Donc tu vois déjà des trucs quoi, c'est pas comme si tu voyais strictement rien et que t'avais aucune compétence, rien du tout quoi. C'est pas comme si moi j'allais voir la société pour dire hey, bonjour, je veux devenir apprenti. Vous avez quoi comme certification? Aucune. Vous savez coder? Non. Voilà quoi, c'est. Oh le pauvre monsieur, il a eu très froid. Monsieur ou dame, je dirais même. Et lui, il a eu très mal. Ouais, ça j'ai. Avancer, maintenir la pression. Non, moi la pression, je la maintiens pas, je la bois. Mais c'est ta maman qui va se faire. Ouais, ils sont juste en bas en plus. Mais pourquoi tu ouvres la porte, toi? Idiot. D'accord. Il y a une porte d'ouverte là. Non, non, ils font le tour. Vous êtes idiot ou comment ça se passe? Normal. Comment vous pouvez savoir que je suis là? On n'est même pas dans la même pièce, dit. Vous êtes forts, les gens, quand même. Et puis par là, il n'y a pas d'ouverture. Je suis obligé de passer par là en plus. Hop. On ne sait jamais. Pour les fractures. Bon, là c'est gelé. Qu'est-ce qu'il y a de bien plus? D'accord. Il n'y a rien à récupérer ici. Aligneur, batterie.
Là, tu peux dire, hé, y a un intrus! Mais non! Espèce d'idiot! Ah, y a un... Il y a des bonbons sur lui. Je préférais les bonbons, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a des aligneurs partout ici, ma parole. Kit de soins. Je tiens ma position. Oui, tiens ta position, ça vaut mieux. Oh là 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 là. Fiole, fiole, tantale. Oula, ça vaut cher ça le tantale. C'est tout à vous. Bah oui, je l'ai récupéré donc c'est à moi. Oh, merci d'enfoncer des portes ouvertes, Barrett. Voyons voir. Est-ce qu'il y a des engins de sécurité là-dedans? Un peu les inquiétudes de Charlie. Docteur Lars. On va recommander de te parler des problèmes du labo. Tout notre mouvement pour cette évaluation, que l'évaluation initiale du système ne tient pas compte d'un environnement extérieur. Tu sais bien que Ri ne nous laissera rien faire officiellement. Ça n'a rien de concret pendant toute la même galère. Ok. Réponse officielle. Agent de division. Il est en train de demander des ressources supplémentaires pour résoudre les problèmes décrits dans ton. La décision a été prise de refuser cette demande pour le moment. Ok. Problème de taille. C'est bon. Un cryoconnecteur du labo et des fluctuations d'environnement ambiant dont j'ai parlé. Plus sérieux. Ouais, autrement dit, c'est. Je sais pourquoi est-ce que. De péter quoi. Ils ont pas écouté. Ils ont fait oui, mais nous on connaît. On sait que c'est pas grave, donc. C'est quoi qui bug? C'est quoi qui rentre dans la matière et qui interfère? Oh, et franchement, ils sont bien ceux qui ont foutu cette porte-là. Il y a un gros glaçon. Hop, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Bon. Ouais, je suis déjà allé là. Ça me dit rien. Ah non, c'est derrière cette porte là. Ah, ça se trouve, j'ai accès avec la porte d'en face. Parce que là, j'y accède pas. Là, j'y ai pas d'accès. Bon bah je suis obligé d'aller par là. En position. Coucou toi. T'es parti où? L'autre qui est... Ouf. Il a... Ah non il est monté là-dedans. Oh, 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 oh. Mais ils sont forts ceux-là. T'es mort. Tu sais que t'es pas caché là. Ah là 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 là. Jure, il y en a. Ça je m'en fiche de tout ça. Si je monte là-haut, j'ai peut-être accès à la salle d'à côté. Celle où il y a toutes les choses toutes bien là. Oui, j'ai accès au plafond par là. Bon. Il y avait quoi par là déjà? Accès à l'autre salle.
Tac. Par là. C'est un cul-de-sac et j'ai déjà ramassé ce que j'avais à ramasser. Non, j'ai des coffres par là-bas. Hop, ça je m'en fiche, ça je m'en fiche. Ça, Grendel, je m'en fiche, c'est du plastique. Quel visuel sur la cible. Et il est où? Et tu sors d'où, toi? J'adore ces ennemis qui pop de tu ne sais pas où. Non, il était où le trou? Il était là le trou. Ah, faut bien viser en plus, hein. Eh bah dis donc. Mais pourquoi tu rentres pas dedans, toi? Eh? Il sert à quoi ton jetpack là, Jackie? Tac. Mais c'est quoi ce bordel là? Où tu te tournes, toi? Eh? Mais pourquoi tu t'accroches pas? C'est moi ou c'est un idiot? Alors là, pour monter sur la table, il utilise ses mains, que tout à l'heure il faisait pas. Et là, pour aller là-haut. Eh ben il le fait pas. Oh Jackie, tu me fais marrer. Ah bah enfin! Ouais, sauf qu'il faut pas passer par là. Pas passer par là. Là, c'est. Mais non, mais moi, c'est de l'autre côté que je voulais aller. Oh là 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 là. Ah. Peut-être pas là. Bon, d'accord. Je sais parfaitement que je fais cet effet aux gens. Tu vas te calmer, Barrette! Non, en fin de compte, ça mène nulle part puisque je viens de là. Donc, ça sert strictement à rien. Mais comment est-ce que je vais dans la salle d'à côté, moi? Il y a plein de trucs en plus à récupérer. C'est dommage. Ah. Là, il faut une clé de laboratoire. De recherche citoyen. Je ne l'ai pas encore. Là, il faut la même clé. J'ai pas envie d'utiliser un aligneur. Donc, on va essayer de trouver. Là, sur un des gardes. J'engage le combat. Mais cherche pas, t'es derrière un carreau, mec. T'es derrière un carreau. Qu'est-ce qu'il veut faire? À part se taper toute la route à pied. Hop. Là, il veut se poter par là. Ah bah, non, c'est pas le même. Tu sais qu'on te voit. Ah là 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 là. Ah bah dis donc, il tire de loin lui avec son petit pistolet. T'allais faire quoi toi au juste là? Mais il y en a qui cherchent vraiment quand même. Hein. Allez, remontre-toi. Il va pas se remontrer parce qu'il est à deux doigts de mourir. Soyons sérieux. Oui. Ça toute ma vie. Autant Eh oui, Barrette. Voilà, il est mort, d'hémorragie, tout seul. Il est bête, il se serait levé. Barrette, tu m'as fait peur, du con.
Quel idiot celui-là. Les crédits. Les crédits. Trouvez l'ennemi. Mais je suis là. Viens. Voilà, par contre, je vous préviens, je ne sais pas du tout où je vais. Ah, attends, j'étais en face. J'ai jamais fait cette station-là. Ils vont quand même pas transformer ce jeu en jeu de plateforme quand même. Bon, je peux pas passer par là. Ce qui veut dire que je dois passer par là. Ça, c'est tout glacé. Mais il y a une porte là. Franchement, j'adore, il y a des portes partout. On sait même pas où ça va. On sait même pas où faut aller, mais il y a des portes partout. Pourquoi tu te relèves? T'es nul. Ça c'est fait. Crédit. Munitions. Là, il y a une grille là. Allez. Où est-ce qu'on va comme ça? Bon, ça c'est fermé. On va passer par la grille. Hop. Ah d'accord. Là on va faire ça. Mais qu'est-ce que je disais? C'est devenu un jeu de plateforme. En plus nul les plateformes. Pas nul les plateformes. Hop. 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 On va jusqu'où comme ça? Non, tombe pas. Et pas le moment de tomber. Aller jusque la porte là, parce que bon, je vois pas où je peux aller plus haut après. Bon, pour ça, on va monter là. Et on redescend tout en bas. Ah là 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 là. Depuis quand un FPS est devenu un jeu de plateforme? Je vous jure. Même pas des données du programme. Organe. Oula. Je vais essayer de les prendre. C'est de la contrebande. C'est du marché noir. Ne me dites pas que je suis monté jusque là. Juste pour avoir une contrebande de merde. Protégé par cryptage, accès autorisé uniquement. Propriété de Montana, le contenu de ce document appartient exclusivement à Ryujin Industries. Oui, Marzana. Et ça me dit pas ce que c'est. Ouais, j'allais dire, tenue, rien ici. Mais une tenue confortable, hein, quand même.
Pas naturiste, moi non plus, hein. Alors, je suis monté jusque-là pour rien? Est-ce que je peux monter encore? Oui, je peux monter encore. La question, c'est par où? Voilà. Bon, alors, par là, il n'y a rien à voir. Là, la porte est verrouillée. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès là? Par là, c'est verrouillé. Par là, c'est bloqué. Par là, c'est bloqué. Donc là, je ne peux aller que par là. Ah, je peux aller par là. Ah, et là, on arrive dans la grotte. Et donc là, on va avoir accès au. Voilà, beryllium. Trouver l'artefact. Allez, on va miner un petit peu de kaélumite. Kaélumite. Voilà. Potion flashbang. Toujours la même vision. Voilà. J'aurais pu me faire buter 50 fois. Parce que je suis sûr, j'ai encore fait un malaise. Allez, Barrette. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah là là. Bah arrête, aucun charisme. Bon, maintenant, bah comment je ressors d'ici? Et j'ai pas été voir derrière cette porte-là. Y a-t-il du monde? Y avait du monde. Ils ont eu froid. Ils ont attrapé un gros rhume. Hop. Il y a du lait. Non merci, le périmètre, plus le temps. Des crédits, ça m'intéresse bien. De l'eau gazeuse, non, des glaçons gazeux. Salut Martin! Extérieur, lui peut intérieur extérieur, lui peut aller qu'à l'extérieur. Tac, il m'en reste 1, 2, 3, et donc ce serait potentiellement celui-là et celui-là. Voilà. Et ensuite là, on va avoir celui-là, ça fait 1, 2. Ah. Non, lui il va pas, lui il va pas, lui il va. Ça se trouve, ce serait cela. Ça fait 1, 2, 3. Et donc là, c'est 1, 2, 3. C'est ça. Comme quoi, faut faire attention à ce qu'on fait. Oh, une grosse boîte. Bon, c'est pas grave, ça me fait avancer mon quota de trucs ouverts. Alors. Et
Mec, je suis tombé. Oh oh. Méchant robot. Méchant robot. Tu piles quoi toi le robot? Tu t'es qui là? Ça fait mal. T'as le visage en feu. Barrette, barrette, barrette. Je suis pas aidé avec un gars comme ça sur les épaules. Sur les bras, plutôt. Ah, ça y est, je suis en surcharge. Je suis en surcharge et je suis perdu. C'est génial. Oui, barrette. C'est une grosse boîte. Couteau, je m'en fiche. Couteau de combat, je m'en fiche. Iridium. Non, parce que je ne reviendrai pas ici. Je me perds déjà assez comme ça une fois. Alors si c'est pour revenir me perdre une deuxième fois. Merci, mais non merci. Allez, je fais encore de la varap. Genre. Haken. Genre, pourquoi je suis pas rentré par là? Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. C'est parce que c'est la porte en scénarium. Voilà, c'est la porte en scénarium. Quoi ça? C'est horrible. Oh. Oh mon dieu. Oui. Allez. Allez, on se le finit avant qu'il nous finisse. Voilà. Bien barrette. Mais c'est horrible ce truc. Il n'y a qu'un j'espère. Ça donne quoi? Antimicrobien. Mais regardez-moi cette tronche. Oh lolo lolo lolo. On croit une fleur qui a muté quoi. Eh ben dis donc. Ça donne froid dans le dos. Des bestioles comme ça, non mais... Où va le monde? Pourquoi est-ce que le point il est là? Alors que mon vaisseau il est... Là. Ah parce qu'il faut que j'aille là-bas pour pouvoir ajouter les artefacts... Les artefacts... Oula, j'ai... j'y arrive pas ce soir. Les artefacts à la collection. Il y a encore ce truc qui vole là-haut là. Oh là 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 là. C'est moche, mais c'est moche. Oh, non, encore un gros là-bas. Il est en train d'attaquer quoi? Cache-gueule.
Si c'est cache-gueule et t'as des... Oh là 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 là, mais ça se fight en plus. Bon, je vais attendre qu'il y en ait un qui gagne. Ça, j'en aurai que un à battre. Ouais, deux. Mais pourtant, les cache-gueules, ils sont censés être en meute. J'en vois qu'un. Allez, j'aide lequel? Aucun des deux, je les bute tous. Oh salopard! Ça va, il fait pas si mal que ça. Il est pas beau, mais il fait pas si mal que ça. Où est-il là? Allons-y. Eh ben dis donc. Vraiment pas beau les bestioles sur cette planète là. Hein. Oh. Pas une source là de quelque chose. Y a du xénon. Je savais bien, je trouverais quelque chose par là. Enfin bref. C'est mort, je mettrai pas de colonie ici. Hein. Oh, ils sont pas beaux les monstres par là. Mazette. Pour moi. Tenez, je vous ai trouvé ça. Pour moi? Évidemment que c'est pour vous. Oh, petit coquin. En tout cas, je me suis dit que ça pourrait vous servir. Qu'est-ce que c'est? Aucun souci. Si je trouve quelque chose lors de notre prochaine expédition, je le prendrai pour vous l'offrir. Fais un amour, Barrett. De l'alien séché. Barrett. Tu m'offres de l'alien séché. Aiguillette de viande alien déshydratée, salée et assaisonnée avec une sauce teriyaki douce. De l'alien séché. T'as pas pu donner un truc mieux que ça, Barrett. T'abuses quand même. Vous êtes là pour hasarder ou vous avez besoin d'un truc? Je t'ai rien demandé, Heller. C'est un plaisir de vous voir. Oui. Plaisir pas partagé. Hop. On dépose toutes les ressources. Divers. Mais pourquoi j'ai tout ça sur moi? Merde, je suis con. R. A. Ressources. On dépose tout. Ah, il a atteint le maximum de capacité. Et moi je suis en surcharge. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On va aller s'asseoir ici. Allez. Attends, il y a un gros machin qui court là-bas. Et c'est parti. Allumage des moteurs. C'est parti. C'est ce que je viens de dire. Insertion orbitale terminée. Alors, on va aller. Hop. Ajouter les interfaces.
Des artefacts. Oh, j'y arrive vraiment pas à le dire ce soir. Hein. À la loge. J'ai toujours l'impression d'être en vacances quand je suis ici. On pourrait aller au restaurant comme des gens bien. L'endroit est une superbe relique mêlée d'espoir, de rage et de science. Je suis à votre service, capitaine. Pourquoi ? Vous aviez peur que je fasse pas ma part du boulot ? Non, bien sûr que non. On avait peur que tu sois blessé. Oh, merci. Mais c'était pas la peine de vous inquiéter. On a réussi. Ouais, Andrea, on a réussi. Merci pour votre aide. Grâce à vous, nous avons trouvé l'artefact. Allez, je les dépose. Regardez-vous, je vous envie. J'ai essayé de suivre des pistes, moi aussi, mais je suis revenu les mains vides. Oh, c'est bête. Hein. Bête partout, pas vrai? Pris dans la roche ou aux mains d'un innocent marchand de babioles? Je me surprends parfois à fixer la collection en me demandant à quoi tout ça rime. C'est peut-être ce qu'ont ressenti nos ancêtres en découvrant les... Ils se sont pas contentés oui, de... mais à cause de ton blabla, Mathéo. Vous êtes de mon côté, hein? La science ou les rêves? Lequel est la vraie muse de l'exploration spatiale? La science. Mince alors, les réalistes ont fini par prendre le dessus, je suis fait. Parce que sans science, pas de fusée. La science est l'échafaudage qui donne corps à nos espoirs. On ne peut pas construire des rêves sur des rêves. Vous savez quoi? Je viens de me rendre compte que j'ai totalement pris le contrôle de la conversation. C'est Andrea et vous qui devriez être en train de fêter cette victoire. Oui, mais moi je voulais voir les artefacts fusionnés. J'étais contente d'entendre les points de vue de chacun. Mais c'est vrai, nous avons réussi quelque chose ensemble. Merci pour votre aide. Je n'y vois aucune objection. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre. Noël, j'ai extrait des données intéressantes des nouveaux artefacts. Dites à la nouvelle recrue de me retrouver à la station. Bien reçu, je vous l'envoie. Mais déjà, moi je... pars pas, Andrea. Tiens, bonjour. Ça veut dire qu'elle est déjà avec moi ? Au revoir. Qui dit qu'il était quoi? D'accord. Oui, bah, tu l'as si la boîte, tu me diras. Bon. Continuons. Voyons voir si je sors. Qui vient avec moi? Andrea ou Barrette? Andrea, sorry. Andrea, nickel. Alors, je vous explique pourquoi j'adore Andrea. Parce que dès qu'on décolle, elle a une petite phrase que tous les vrais connaissent. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la version originale ou si c'est dû juste au doublage français. Mais la petite phrase, c'est « À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. » Et si vous avez la ref, c'est que vous êtes des bons. Si vous ne l'avez pas, c'est pas trop tard. Alors, parler à Vladimir. Non, je m'en... On se fait le nid vide. Non, parce que là, ça va être... celle-là, elle est assez longue. Le nid vide, elle est assez longue. Dans l'inconnu. Parler à Vladimir. Allez. On va aller sur l'Iris. Non, d'abord, j'ai envie d'aller... faire un petit tour, me vider les poches. Que là j'ai les poches pleines de beaucoup de choses, j'ai le vaisseau qui est plein de beaucoup de choses aussi, et donc ce serait sympa de pouvoir se vider un petit peu les poches. Alors par contre, pour que je me repère, quartier commercial là-bas. Cet arbre est bien trop beau pour subir un tel destin. Ah. On va souffler un petit peu, hein? Pour une prendre des dégâts inutilement.
On va aller là. Je sais que courir ça, avec une surcharge va consommer de l'oxygène. Oui, enfin, Ryujin, c'est quand même un peu qu'on fait péter le labo plein de glace, là, quand même, hein. Ah bon. Ryujin, hein. Merci. Allez, fais-nous voir ce que t'as. En raison d'une récente mesure législative, je ne peux plus attribuer de vaisseau. Mais je peux... Oui. Bienvenue chez UC Distribution. Je peux vous aider ? Alors, fais voir ce que t'as à oui, vendre. Bien sûr. Jetez un œil. Ouais. Pas trop loin, mon œil, quand même, j'aimerais le récupérer. Alors, déjà à vendre, qu'est-ce que je peux te vendre à toi ? Trion, par type. Alors, ça, c'est de l'arme lourde. Je garde ça coché. C'est du fusil à pompe. Je garde. Ça, je garde. Ça, c'est du pistolet à balles. Puis j'ai double de dégâts aussi dont les points de vie sont au maximum. Ouais, bon, ça, je vends. Grendel, j'en ai des. J'ai celui-là, j'ai celui-là. Ils font tous les deux le même nombre de dégâts. 170 précision. Celui-là a une meilleure précision que l'autre. Donc celui-là, je le vends. Kodama. Oh, il est classe celui-là. Le Kodama. Mais bon, c'est un petit pistolet à balles. Mais il fait quand même pas de dégâts. Le Kraken, j'en ai pas besoin. Le Maelstrom. Semi-automatique, charge tactique, poignée. Ouh, lui il est pas mal équipé quand même. Lui je le garderai bien. Ensuite, la poinçonneuse. Alors je m'en suis servi. C'est nul. Mais c'est nul. C'est horrible comme machine. Ça fait des dégâts quand ça touche. La machine elle a une dispersion qui est hallucinante. Même un fusil à pompe fait à moins de dispersion que ça. Donc lui, je peux le vendre. Là, le Psystar, c'est un pistolet balistique. L'Orient, je le gardais. Je le gardais celui-là. Oui, celui-là, je le garde. Moins l'armure est élevée. Là, plus les gars sont importants. Lacérer applique aléatoirement un effet de saignement sur la cible. Légère chance de décourager la cible. Non. Celui-là, je le veux pas. Le soudeur. C'est du lourd, mais c'est pareil. C'est. Précision 45%. Non mais. Putain. C'est celui-là, je dis que je le gardais. Ok. Ensuite, les combinaisons. Ah, celle de Mantis. Ouais, je garde celle de Mantis quand même. Hein. Hop, les sacs. Mantis, exploration. Ou Varun. Bah, déjà, Varun, je peux vendre. Et exploration. Transport de ressources, ils ont les mêmes. Tac, attention. Ah, bah oui, elle a pas assez. Bon. Alors, voyons voir. Est-ce qu'elle a assez pour un casque? Il lui a 114. Ce casque-là, je peux le vendre. La tenue, j'en ai qu'une. Ça, je garde. Les ressources, je vais les garder. Et divers, ben, j'ai le bol. Tac. Attends, ressources, j'ai quoi que je peux vendre? Ça, je peux vendre. Il reste 11. Palladium. Non. Il reste. Qu'est-ce que je peux vendre? Ça c'est 12. Allez, on va vendre ça. Et puis voilà. De toute façon, comme ça, elle est à 0. Qu'est-ce qu'elle a à vendre quand même? Parce que parfois, ça peut être intéressant. Tac. Arme. Ouais, ça a dormi le Psystar que je t'ai vendu.
Éon, Kraken. T'as rien d'intéressant. Munitions. J'ai ce qu'il faut. Sac. Casque. Objet de lancer. Ce sont des mines. Donc non. Soins. Non. Ressources. Non, soit non. Et bol. Allez. Et on y retourne. Allez, bouge. T'as plus de thunes, ça sert plus à rien. J'ai même pas pu y vendre ce que j'avais dans le vaisseau, dit. Ah, misère. Ça, le vaisseau il est plein à craquer. Outland. Outland, c'est un magasin de fringues, je crois. Je peux leur vendre des choses à eux. Votre sécurité dépend de votre. Ah oui, oui. Bienvenue à Outland. Nous ne vendons que le meilleur maternel. Ouais, sauf que le mec, il le porte pas. C'est très rassurant. Je le répète, voilà. Je le. Et bien entendu, si. Oui, je vous en prie. Voilà. Alors, j'avais des trucs encore à vendre. C'était en quoi? Sac. C'était celui-là que je voulais vendre. Ça, je garde le mantis. Ça, je garde, ça, je garde. Ça, les soins. Alien séché, je m'en fiche. Antibiotiques, je garde, je garde, je garde, je garde. Kit de soins, je garde. Kit de super pâte comestible ouvert. J'en veux pas, moi. Je vends. Appareil résistant aux dégâts augmentés de 500 pendant 300 secondes. Wouah! C'est dégueulasse. Sushi, je m'en fiche. Udon, udon. Je m'en fiche. Les ressources. Ça vaut que 2 le tantal. Eh ben dis donc. Toxine. Je vends les 8. Ça, ça peut être gardé. Ok. Et là, divers, c'est ça. À en vendre depuis le vaisseau. Armes, découpeuses, les deux Equinox, le Maelstrom, le Sailing Stone, le Sidestar, le Urban Eagle, le Solstice, le couteau de combat, le cocher incendiaire. Sachant que j'en ai un, mais il est normal, je crois, sur moi. Equinox et. Sidestar, allez hop, je me débarrasse, ça, il a pas assez, pas normal, oh, elle est badass celle-là aussi, celle-là faut que je l'équipe en fait, parce que bon là je suis en positif partout, ouais sauf atmosphère, radiation, mais combinaison de minage, ça je m'en fiche, combinaison spatiale, deep core, j'ai pas assez, il a plus assez. Mais qu'est-ce qu'ils sont pauvres ces gens-là. Ce cadeau de lycée, allez hop, là il peut plus rien prendre. Casque, il peut plus rien prendre. Les soins, ça, il peut en prendre combien? Ouais, voilà, il peut prendre ça. Et là, il lui reste un. Que veux-tu vendre avec un? Bon, par contre, qu'est-ce qu'il a acheté lui? Il a juste des tenues et des ressources. Ouais. Allez. À plus tard. Ouais, à plus tard, Cornelius. Bon. Je sens qu'on va devoir améliorer le vaisseau. Parce que là, le peu de stockage qu'il a, c'est un peu embêtant. Parce que le vaisseau il est là. Et là c'est un petit peu embêtant quand même. Hein. Non, on va le quitter. Je vais devoir le modifier un petit peu.
rajouter quelques sous à droite à gauche. Sachant qu'on a déjà rajouté des armes, j'ai plus besoin de rajouter des armes. Inspectez votre vaisseau à la recherche de Calovore tous les 2-3 atterrissages. Bien sûr, je vous en prie. Avec constructeur de vaisseau, on va y ajouter. Arme B, cargaison. Voilà. Donc cargaison, on va devoir y foutre des soutes. Mais la question c'est où peut-on leur mettre des soutes? Parce que là, si je fais ça, et oh. Là, si je fais ça. Ouais, si j'enlève ça, après, c'est plus pareil. Il a plus la même tronche. Mais au pire des cas, je peux faire ça. Ça. Ah, ouais. Putain, je mets ça là-dessus. Comme ça, les soutes, je les fous là. Ah non. Ça, c'est les trains d'atterrissage, je peux pas. Ah, zut. Zut, zut, ça doit rester là. Que bête. Que bête je suis. Mais bon, rien n'empêche de... Si j'enlève ça... Eux, ils sont obligatoirement là. Et si j'enlevais ça, est-ce qu'il y a des soutes Caravelle? Non, là ils passent pas. De toute façon, je crois qu'en plus je peux rien mettre dessus après. Tac tac tac. Soute. Voilà, c'est il y a un truc qui gêne. Là. Je crois que c'est ça qui gêne. C'est ça, mais ça, voilà, je peux pas le fixer là. Et ça, c'est les moteurs, donc il me les faut absolument. Hop. Voilà. Là, est-ce que j'ai des petites... Enfin, des petites soutes, ouais, il faut quand même des trucs assez... soutes, ballast. Ça, ça peut pas aller là à cause du gros bloc qui est en dessous. Et je peux... Et là, ça peut pas non plus aller là parce que... Il y a le train d'atterrissage. Après, si... Si, le train d'atterrissage, je le décale. Lui va pouvoir retourner là. Si le train d'atterrissage, je le décale. Que je mets une soute ici. Qu'est-ce que j'ai dans les éléments structurels? Astromoteur, habitation, réacteur, bouclier, structure. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui permettrait de fixer dessus ça? Voilà. Et comme ça, là, j'ai une grosse soute là. Et donc, je peux faire pareil de l'autre côté. Tac. Contrôle G pour dupliquer. Ça va aller là. Contrôle G pour dupliquer. Z
pour tourner. Ça va aller là. Et comme ça, on peut faire ça. Et là, j'ai des grosses sautes en plus. Bon, j'ai une grosse masse. Tout le système fonctionne bien. Les armes sont opérationnelles. Marchand, 60, moi j'ai 60 000. Ça va me coûter 3100. Oh. Eh ben dis donc. C'est quand même dommage que je puisse rien fixer sur les soutes. Parce que sinon là j'aurais mis deux soutes avec ça au bout. Mais bon. Il a de la gueule quand même. Il a toujours de la gueule malgré ses grosses soutes. Non, ça c'est les pieds, faut qu'il reste à ce niveau-là et je peux rien mettre au-dessus. Ça par contre c'est dommage que je puisse rien mettre au-dessus. Moi ça c'est le réacteur. De toute façon, point de vue armement, je pense qu'on pourra pas faire mieux. Ah, si on augmente un peu les lasers, parce que j'ai beaucoup de missiles, mais point de vue laser, je suis pauvre quoi. Parce qu'en laser, j'ai que ça. Non, si je fais ça. Tic. Modifier. Moi je fais pour armes, voyons voir ce qu'il propose ici. Laser M0. Je vais sortir de là. Confirmer, accepter. Tac. Voilà. Modifier mon vaisseau. Je vous en prie. Mais sans passer par le. Moi je veux juste. Améliorer le vaisseau. Laser impulsion. Flair. Et à la place, je mets ça. Là je gagne en dégâts de coque. Là c'est pareil. Là je gagne en dégâts de coque, en dégâts de bouclier. De toute façon, moi, ce qu'il faut, c'est des dégâts de bouclier. Rayon à électron disruptor. Dégâts de bouclier 24. Dégâts de bouclier 26. Dégâts de bouclier. Ah, ça, c'est lance-missile. C'est ce que j'ai déjà. 94. Dégâts de bouclier 28. Dégâts de bouclier 10. Dégâts électromagnétiques. Ouais, par contre, ça, ouais, ça peut être sympa, ça. Puissance maximale augmentée à 8. Dégâts électromagnétiques 48. Dégâts coque 2. 72. Ouais, on va mettre ça, hein. On va mettre ça. Ensuite, rayon à électron. Ça, on va foutre du balistique à la place. En balistique, j'ai que ça. Mais dégâts de coque, c'est bien. Hein. Voilà. Après, lance-missile, le moteur. Je pense que le moteur n'aura pas mieux. Ça, c'est. Pourquoi j'ai pas les comparaisons? Mobilité 100, ça va être mieux avec ça. Là c'est dwarf, on va être mieux avec ça. Catégorie suivante, astromoteur 19 années-lumière. Par contre là j'ai la coque qui est faible. Ça, c'est les armes là, les canons, les lance-missiles, les moteurs qui m'ont augmenté la mobilité et les astromoteurs qui l'astromoteur qui m'ont augmenté le bouclier.
D'ailleurs, pourquoi est-ce que le générateur de bouclier, je peux le modifier? Peut-être parce qu'il est déjà super élevé. Non, bouclier 390, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Hop. Accepté. Là, ça m'a coûté un bras, par contre. Waouh. Et sinon, c'est le fond de tueur. Bon, je pense que c'est bien là pour celui-là. Hop, allez, merci beaucoup. Oh, il a toujours de la gueule. Hein. Même s'il y a deux grosses cargaisons qui ont apparu sur le côté, il a toujours de la gueule. Allez, montons à bord. Allons, file notre petit push. Allons finir de me vider les poches. Salut, besoin de quelque chose? Ok. R. Non. A. Déjà, ressources. Tout déposé. Ça, c'est bon. Voilà. 73. Bon, ensuite. Bientôt niveau 10. Dans l'inconnu. Oui, faut qu'on aille parler à Vladimir. On avait dit. Direction l'Iris. Ça marre. Comme la lessive. Ça marre. Oui, je sais, je raconte de la merde. Allez, qu'est-ce que tu veux me dire, Vlad? J'ai presque peur. Ces artefacts n'étant plus de petites anomalies d'espoir dans la mer du néant, j'ai trouvé une récurrence intéressante. L'anomalie gravitationnelle générée par l'un des artefacts correspond à celle d'un autre sur une autre planète, de taille encore supérieure. Parfait. Laisse-moi transférer les données. Mais reste bien sur tes gardes. On ignore de quoi il s'agit ou encore pourquoi c'est si gros. Je t'envoie le marqueur le plus proche possible. J'ai du mal à localiser la source. Tu devras explorer la zone à pied et utiliser ton scanner. On ignore ce que vous trouverez. Ouvrez bien les yeux. Et de là, tu découvriras peut-être avec joie l'origine de tout ça. Option 3. Hop, directement dans le cockpit, hein. Ça avait été de grosses balader. On se désamarre. Allez. On n'est plus amarré, capitaine. Merci, Andrea. C'est gentil. Mettre le cap sur Procyon 3. Lancement du cycle d'atterrissage. Les Procyons, c'est pas la planète de... Procyon. Non. Ah, c'était bien abordé. C'est pas loin, c'est bien, c'est juste quelque chose.
Voilà, hop, on quitte le vaisseau. Oui, je sais comment utiliser le scanner quand même. Faut pas non plus me prendre pour un âne. Bon. Ressources 6 sur 7. Qu'est-ce qui me manque comme ressources ? Ah ça c'est les mouches crabes. C'est une espèce de truc chou avec les gros yeux. Hein. Allez. On va scanner les mouches crabes histoire d'augmenter la... Mais pourquoi tu m'attaques, saloperie? Je t'ai rien fait, moi. Non, mais oh. Je leur fais juste un petit coup et ils m'attaquent. Bande de salopio. Il me manque quoi, moi, comme élément à trouver ici? C'est quoi que j'ai pas trouvé? C'est ça, liquide. Qu'est-ce que c'est? Faut trouver du liquide. Ouais, si on trouve du liquide. Sur une planète glacée, c'est génial. Ah. L'interférence, elle vient de par là. Que révèle votre scanner? Ouais, le temple Eta. Non, ça c'est du néon. Néon, néon, cuivre, argon, tempêta. Mais c'est quoi ça la liquide? On peut trouver une source d'éléments liquides? De l'eau, tout comme ça? Sur cette planète? Liquide, c'est vague quoi. Tu trouves un acide, ça marche aussi. Alors c'est ça le but de nos recherches. Wow. C'est... J'ai pas les mots. Ouklie carapace. Non mais c'est quoi ce monstre là? Un char sur pattes, le bordel. La question que je me pose, c'est... Elle est où la tête? Elle est en haut ou elle est en bas? Je pense qu'elle est allée là. Parce que là on croirait avoir deux petits yeux chelous là. Même pas, c'est pas des yeux ça. Bon, elle c'est une femelle. Mais où est-ce qu'elle est la tête là-dessus? Elle est là? Et où les yeux? Bref, c'est chelou. Là, c'est du néon. Est-ce qu'il y a des trucs? En théorie, je crois qu'il y a des trucs à miner par là. On a besoin d'un moment pour se remettre? Bon, t'inquiète pas, André, t'inquiète pas. J'ai pas besoin de ça. En tout cas, le jour se lève.
Alors, où va être l'entrée? Raté. Elle est pas là. Elle est là. Allez, rentrons dans le temple état. Et là, maintenant, on vole. Dans les trucs de lumière. Hein. Bon, et... le prochain, il est là. Et petit. Là-haut. On va essayer de pas se prendre un anneau dans la tronche. Ce serait bête. Allez. Rentrons dans l'anneau. Moi je dirais normal quoi. Et nous voilà TP dehors. Afin d'équiper le nouveau pouvoir, il faut que j'aille là, dans pouvoir, champ antigravité. Il faut qu'on vous ramène à la loge. Et là, il faut que j'appuie sur C. Ouais, je sais, merci. Mes capacités sont vraiment... exceptionnel. C'est quoi ça? Oh, une anomalie par là-bas aussi. Anomalie ici aussi. Vous l'avez trouvé? Là, c'est une structure. Bon, là, c'est le temple état. Anomalie, une là. Une là. Une là. J'ai trouvé les trois anomalies. Hop, on va aller voir. On va aller fouiller dans ces petites anomalies. Et qui sait, on trouvera peut-être le liquide. C'est le gros truc que j'ai buté déjà. Non, ça c'est de la glace. À mon avis, le liquide, ça va être au niveau de l'équateur, je pense. Ça c'est du néon, ça c'est de l'eau, ça
Bouclier carapace, ramène-toi. Ah, ta 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 ta. Et lâche. Hop. En théorie, il a déjà été analysé. Elle aussi, parce que c'est nous qui les avons butés. Par contre, elle a les bleus. Voilà. Rose de givre que j'avais pas totalement. Ok, donc anomalie ici. Oh. Qu'est-ce que... Un cactus qui vole. Eh, c'est pas une course hippique, hein. Et ces petits ballons là quand même, là, c'est trop mignon ça. Poule. Oh. Ouais, par contre, ça rapporte pas du tout d'expérience. Bon, il n'empêche, l'anomalie est là-bas. Rechargeons avant d'attaquer. Le skater peut-être, mais bon, là, j'en aurais pas eu assez. Voilà, 25 points d'expérience. Ça, c'est bien ça. Ah, c'est cosmétique. Silence. Il y a une anomalie là-bas, on la voit. Il y a une anomalie là, on la voit aussi. Ah, j'adore ça. Et après, on n'aura plus qu'à trouver la troisième anomalie. Argon. Mais je trouve toujours pas ce que c'est leur liquide là, qui me manque. Roseau de givre. Non, ça c'est de la, ça c'est du gel. Mais s'il y a de la glace, c'est qu'il y a de l'eau liquide. Et bien sûr, il va y avoir un gros truc de sa maman là. Allez, on recharge.
mort. Il est mort. Élément géophysique inexpliqué. Voilà. Anomalie gravitationnelle. Celui-là, il est fait à 100%. Allons voir la prochaine anomalie. Est-ce qu'il y en a une là ? Ah, il y en a une deux à l'opposé. Franchement, ils sont gentils, les développeurs, ils les ont pas mis trop loin. Mais bon, ça me dit toujours pas ce que c'est ce liquide là qui demande. Parce que j'ai tout sauf liquide. Mais liquide quoi? En plus, ils mettent liquide, trois petits points. C'est pas comme ça que ça va m'aider. Liquide, trois petits points. Ça c'est fait. Roseau de. Voilà, roseau de givre, c'est fait aussi. Et encore là-bas, je crois, roseau de givre. Non, orticana nickel. Ça, je m'en fiche. Là, il y a un gros machin pas beau, là. Voilà. Lui, il est bien en vie, lui. Été, bien en vie, pardon. 100%. Ah, bon. Deux faunes à 100%. Un état d'excréments. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des œufs étranges. Ouais, bon, on va regarder les œufs étranges. Là, je suis à l'anomalie. Pourquoi est-ce qu'il met pas que je peux la valider celle-là? Attends, on me dit pas qu'il faut que je monte jusqu'à là-haut. On convergeait à cet endroit demeurant entremêlé. Ouais. Mais est-ce que c'est celle que j'ai trouvée ou pas? Parce que c'est bien beau de me mettre ça, mais je peux pas les scanner, ça c'est trop loin. J'ai pas la portée pour. Ah, peut-être justement, peut-être pouvoir améliorer ça. Sécurité, pilotage, système de ciblage, ça va pas être là-dedans. Analyse, là ça va être ça. Ça va être ça. Mais il n'empêche que c'est toujours trop loin. Et puis mon jetpack est tout petit. Alors, si je fais ça, si je grimpe là, j'ai dit que si je grimpe là, ça fait que je me rapproche. 28 mètres, 34 mètres, et l'autre là-bas, c'est celle là-bas que j'ai validée. Quoi? Il y en avait un autre. Tu vas mourir, Sharon. Voilà. Pas mal. Bah ouais. J'ai pas attendu après toi.
Alors. De toute façon, je peux pas monter là. C'est trop bizarre comme forme. 21 mètres. Non, c'était bien 20 mètres. Revenez. De toute façon, là, ils montent, ils vont redescendre. Ça se trouve, je vais pouvoir analyser cela. Parce que là, je vois que ça, ça, et puis. Attends, c'est quoi ça? Et votre scanner indique. L'autre, elle est là-bas, elle est à 1000 mètres. 21. 20. J'ai une portée de 20 mètres. Pourquoi je peux pas le scanner? Ça me casse les pieds, ça. Parce que j'ai bien vu que c'était une météo gravitationnelle. Moi, je veux pouvoir la scanner en fait, cette anomalie. Ouais, donc non, en fait, ça ferait partie de la même. Pourtant, c'est deux entités complètement différentes. Elles sont à 400 mètres l'une de l'autre. Ça peut pas être les mêmes. Bref, l'autre est là-bas. Retour à la loge. Là, il y a 800 mètres, là, il y a 1000 mètres. Autrement dit, il y a que 200 mètres entre les deux. Bref, il est 22h30. Ça fait déjà une heure et demie qu'on joue. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. De toute façon, je reviens demain. Donc, voilà. On se dit à demain 21h, hein, au même endroit. Et bah merci à tous d'être passés. Des bisous. Et à demain.